C'est l'ignorance, l'ignorance humaine. En Afrique, les malades mentaux sont considérés comme des ordures, comme des démons, comme des sorciers. Quand je regarde tous les passés avec aujourd'hui, je vois que des fois je me pose la question. Si c'est quelqu'un qui veut, c'est un travail, il veut prendre ça pour travailler, ça ne peut pas évoluer comme ça. Donc moi je vois ça que c'est un grand mystère de Dieu. Il a beaucoup changé, il mène pas une vie comme les autres. Les malades même sont plus important devant lui que lui-même. Tout a commencé, Grégoire lui-même, il avait allé au pèlerinage à Jérusalem en 82. À son retour, en 83, il avait mis un groupe de prières du quartier sur pied. Après, lui, il a réfléchi, de, mais pourquoi il faut rester sur ça? Il faut aller chez les autres, pourquoi ne pas aller rendre visite aux malades à l'hôpital? Mais très tôt, le Seigneur va nous montrer qu'il voulait plus que les visites. Parce qu'on va découvrir dans des salles les malades qui étaient totalement abandonnés, qui n'avaient pas d'argent. Et personne ne s'occupait d'eux dans une salle totalement isolée. Il dit, mais comment? Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on a commencé par les laver. Chercher des voies et moyens pour payer et leur nourriture et leurs médicaments. Et petit à petit, beaucoup ont commencé à retrouver leur santé. Et ceux qui devaient mourir, au moins, meurent dignement comme des hommes. Vous savez, ici en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Ce n'est pas comme en Europe. Ici, vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, la première des choses, il faut avoir d'abord l'argent pour payer la consultation. Vous n'avez pas d'argent, personne ne vous regarde. On n'a pas de thermomètre. Les gants pour travailler, les malades payent les gants eux-mêmes. Les seringues, les malades payent. L'alcool, il vient de le dire, il n'y en a pas. Donc, vraiment, c'est difficile. Et puis à la pharmacie aussi, très souvent, il n'y a pas de médicaments. Clarisse,
Clarisse. Clarisse. Ah, bon petit salaire, je peux me vivre à ça. Donc, vraiment, j'ai des problèmes. À cause du problème là, je vais demander permission, mais on va aller à la maison. Si Dieu veut qu'il est pour moi, il va guérir. Si Dieu veut qu'il n'est pas pour moi, il va mourir. Et Thomas, c'est tous nos pays d'Afrique. C'est tous nos pays d'Afrique. Parce que tout le monde ne sont pas appelés à avoir l'argent dans la vie. Alors la seule solution, on va se confier à des sectes, hein, qui se dit qu'ils prient pour que tu puisses retrouver la guérison. Voilà la situation. C'est ainsi qu'on est allé rencontrer le directeur de l'hôpital qui nous a cédé ça et on l'a transformé comme la petite chapelle. Les malades qui n'avaient pas de possibilité, ils venaient nous trouver ici. On avait une petite pharmacie où on intervenait à tout moment, nuit et jour. Mais à la fin, le directeur, il y a un nouveau directeur qui est venu, il a dit « Ah, Grégoire, excuse-moi, tu sais que l'hôpital vit de ses recettes. S'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas vivre. Donc, il faut trouver autre solution. » C'est ainsi que l'idée de créer un hôpital est venue. Donc, depuis 1998, nous avons lancé cet hôpital qui reçoit aujourd'hui au moins tous les démunis de la ville. Parce que ici, la consultation est à 500 francs pour ceux qui peuvent payer. Ceux qui ne peuvent pas du tout payer, on essaie toujours de voir comment faire pour les aider. Nous avons 5 médecins qui travaillent. On a un psychiatre. On a 2 médecins en généraliste, un cabinet dentaire et un ophtalmologue. C'est Manos Unidas qui nous a permis de construire ce bâtiment. Mais mon rêve, c'est faire en sorte que ça puisse devenir un hôpital complet pour permettre vraiment à toute cette population d'avoir un minimum de traitement dans la vie. Le directeur de la prison, quand il nous a vu venir, il a commencé à crier, venez à mon secours, venez à mon secours, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il n'y avait pas d'infirmerie, pas de toilettes. Les prisonniers étaient comme des bêtes. On a essayé de rencontrer le directeur de l'école des infirmiers qui nous a donné 2 élèves en 3e année. On a essayé de relancer l'infirmerie et c'est depuis 1988 que l'infirmerie a été mise en route par l'association. En tout cas, tout ce qui arrivait comme difficulté, on rentrait toujours dedans. C'est-à-dire, notre problème n'était pas seulement les malades, mais toute difficulté, tout problème qui arrivait, la Sainte Camille était toujours interpellée. Et vous voyez, c'était trop fort pour moi. C'était très fort pour moi. Parce que pendant ce temps, je gagnais de l'argent. Mais l'argent, je le dépensais pour les malades. Je le dépensais pour les pauvres. Si bien que la maison, je n'arrivais pas à payer la maison. Moi aussi, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Bon, je ne vais pas à l'hôpital, mais quand ils me demandent quelque chose, moi je le fais. Et pas fini, mais je ne trouve même pas le temps de rester à la maison. Bon, un jour j'étais là, il envoyait un malade manteau à la maison. En Côte d'Ivoire, où il y a plus de 18 millions d'habitants, il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques qui existent pour tout le pays. Et vous avez un malade, il faut avoir l'argent pour tout payer d'abord. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital qui existe pour tout le pays. Vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Ah, ma vie à la rue, c'était pénible. C'était difficile. Parce que là, je n'avais plus de parents. Ma mère est décédée, mon papa est décédé. Et j'étais tout seul, comme un porc, ça franchement, sincèrement de cœur, comme un porc. Je ne me lavais pas. Qui va venir s'occuper de moi? Personne. Mais j'ai des connaissances, des amis, avant.
Mais qui va venir? Parce que je suis malade, qui va venir t'approcher? Ils vont te dire, non, ne l'approche pas. Ne l'approche pas parce qu'il est malade, il va te faire du mal. D'autres viennent pour agresser. Agresser, c'est-à-dire te lapider. Beaucoup les enfants. Voilà, il y a un fou. Parfois, il m'arrivait d'aller fouiller dans la poubelle des Blancs. Moi, quand je passe, je fouille. Ça me fait rire, mais c'est comme ça. Sans quoi, je n'avais pratiquement personne pour me donner à manger. Et j'étais comme moi seul dans un désert. De la prison maintenant, un jour, je passais dans la rue, j'ai vu un malade mental tout nu qui fouillait. Jusque-là, il n'y avait pas les malades mentaux. Il y avait seulement la prison et les malades au niveau de l'hôpital général. Comment tu t'appelles? Valentin. Tu as soif? Tu veux de l'eau? Et je vais changer tes habits. Hein? J'avais toujours l'habitude de voir, mais ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et puis, du coup, j'ai dit, mais ils font peur. C'est à partir de ce jour-là, la nuit, j'ai commencé par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par aller les rencontrer. Et toutes les nuits, je passais pour les distribuer la nourriture avec de l'eau fraîche. Écoute, Valentin, viens avec moi. Viens. Je sais qu'il avait peur, mais quand il s'est approché de moi, il n'y avait pas eu de rencontre malheureuse. Mais le premier jour, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux. Mais il ne m'a pas situé que c'était un centre psychiatrique. Il ne m'a pas dit ça. Il dit que je vais t'amener dans un quelque part où tu vas te reposer là-bas et tu verras tout ça va passer. Et au fur et à mesure, on me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Allez donner à manger à quelqu'un dans la rue et toi, tu viens te coucher tranquillement chez toi. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Il fallait faire quelque chose de plus. On a commencé à payer nourriture, médicaments. Mais à la fin, le résultat ne m'a pas convaincu. Valentin, allez descendre. Doucement. Si nous-mêmes, on pouvait avoir nos propres centres, c'est sûr qu'on pouvait avoir un résultat plus meilleur. Valentin, nous sommes arrivés. Tu es content? Si. Tu es très content. Elle s'appelle Odile. Odile. Oui. Mm-hmm. Salut moi. Valentin. Oui. Tu seras très beau. Hein? Oui, oui. Tu seras très joli. La confiance, ça dépend du langage qu'il m'a avancé. C'est pas tout le monde. D'abord, il m'a donné la confiance dans la rue. Vous avez miroir là. Tu dis? Oui, c'est toi qui me le rappelle. Ah, c'est maintenant que tu regardes sa beauté. Hein. C'est ça. Pour moi, je n'avais pas d'espoir de trouver la vie que je gagne aujourd'hui. Je pensais que ma vie était arrêtée là. Et ici, à la Sainte-Camille, j'ai pris beaucoup de médicaments.
qui m'a remonté. Donc tout ce que j'avais senti auparavant, que j'entendais des voix, j'entendais comme des personnes qui me parlaient, je n'entends plus ça. Bon, ce soir, ils vont te faire une piqûre, comme ça tu vas bien dormir. Tu as compris? Tu vas très bien dormir et puis demain je viens te voir. Tu as compris? Ici, tu es chez toi. Hein? Finis la rue. Finis de dormir dans les rues. Hein? Tu ne vas plus jamais dormir dans la rue. Tu as compris? Ici, tu es chez toi. Tout le monde ici sont tes frères. Hein? Tu as compris? Et je te demande d'être gentil envers tout le monde aussi. Tu as compris? Ici, c'est chez Dieu aussi. Ici, c'est chez Dieu aussi. Bravo. Dieu qui rassemble ses enfants. Hein? Allez, viens. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à prendre ces malades, au fur et à mesure... Ce sont des personnes qui commençaient à se retrouver, qui étaient heureux de vivre, qui étaient contents, joyeux. Au fur et à mesure, les résultats qu'on continuait à voir fait que les prêtres dans les villages, les religieuses, ont commencé à faire appel. Et c'est là qu'on va commencer à découvrir des tortures, des choses qu'on ne peut pas imaginer à notre époque. L'une des premières scènes que j'ai vues, c'était la veille des rameaux 94. C'est une dame qui est venue me trouver. Monsieur, aidez-moi. Mon frère est mentalement malade. Il dit, il est où? Dans mon village. C'est à peine 30-40 km de Boaké. Je l'ai prise dans la voiture. Arrivé dans ce village, il va voir ses parents. C'est l'association Saint-Camille. Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Il est déjà pourri, ce n'est pas la peine. Un homme pourri. J'ai dit, même s'il est pourri, je veux le voir. Non, c'est pas la peine, disait le vieux. Il dit, bon, je m'en vais chercher la gendarmerie, j'arrive. Il a pris peur. Il va trouver le chef du village. Le chef du village réunit ses conseillers. Décision finale, il fallait ouvrir la porte. Non, c'est elle. Oh. Bonjour, ma chérie. Un jeune, tu rien du tout. Bloqué, cloué au sol comme Jésus sur la croix, les deux bras, les deux pieds, mais vraiment pourri, pourri. Non, ce jour, j'étais tellement révolté. Sa maman était à côté, il dit, mais madame, c'est votre enfant, c'est vous qui l'avez mis au monde. Mais il fallait l'empoisonner, il fallait le tuer, ça vaut mieux. Les faits sont rentrés totalement dans les chairs, on ne voyait même pas le bout, difficilement. Le jour du rameau, on a pu le libérer. Ah, maman, bonjour. C'est ta fille. Ça fait combien de temps qu'elle est ici? Hein? 7 ans. Bon, donc, je vais à Saint-Fra. Au retour, je vais la prendre. Je vais la prendre, on va aller la soigner. C'est pas pour te demander l'argent, tu vas rien payer. Tu as compris? Tu vas rien payer, on va la soigner. Je vais vous donner l'adresse, ce que je souhaite, que au moins une fois par mois, ou bien dans 2 mois, que quelqu'un vient pour lui rendre visite. C'est pas difficile de prendre le malade de sa famille. Parfois les familles sont contentes de vous le laisser. Lorsque vous ne demandez pas l'argent, on est prêt à vous le donner. On est même prêt à vous le donner comme cadeau. Ma chérie, tout à l'heure, hein? On va te couper ta chaîne aujourd'hui. T'as compris? Tu es contente? D'accord. On est prêt à les aider au niveau de la Saint-Camille. Mais au moins, tout un chacun doit comprendre que quel que soit ce que nous allons apporter, on ne peut jamais remplacer la famille. Le malade, après, doit retourner dans sa maison.
Où est la clé du cabinet? Delphine, moi je m'appelle Grégoire, je t'ai dit ça ce matin. C'est surtout ce numéro qu'il faut souvent appeler, hein, pour avoir ces nouvelles. On est arrivé au centre, à l'hôpital, dans la petite chapelle. Quand on est arrivé, on a vu le médecin, ils l'ont pris. Le malade, il me dit, monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Pourtant, je ne suis pas méchant. Pourtant, je ne suis pas méchant. Et il me pose la question, est-ce que je peux être guéri? Mais à la suite, il est mort. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. C'est partant de là qu'on a commencé à sillonner les villages, pour commencer à déchaîner les malades. Quand je vais dans une famille, quand je vois un malade enchaîné, je dis toujours que ce n'est pas leur faute. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce qui me révolte, c'est les centres de prière où les malades sont enchaînés et de nourriture. Où il faut les faire souffrir pour que le démon sorte. Il faut leur donner des coups de fouet. C'est ça qui révolte. Please, my name is Prophet Luga Yao Samuel. Les parents ne savent pas du tout quoi faire. C'est ce qui les oblige parfois, cherchant toujours la guérison de leurs enfants, en les amenant dans le centre de prière. This place is a prayer camp. And God rather sent me here to do the prayers for the six the victims. C'est très malheureux. C'est très, très malheureux, très dommage. Et tout le monde font comme si c'était normal. Hein? Comme si c'était normal. Here is the place that God has chosen. Because if the crazy people are in their houses, they will never humble themselves. Some people have that bad spirit in themselves to destroy you. So they should rather send them here so that we pray with them and God should tie them. Quand vous le coup passe, que vous l'aurez. It means that you have
hiding them in the hospital for treatment. And if they are not well treated, they can never go to the house, or the doctor himself will never leave them to go home. So this is the place, like a spiritual hospital, to be here. If God helped me to provide me some money, I used to help them. And if there's no money, we just leave them. We are not getting any money from them, but just a little money to buy chains and padlock. Il a une dépression mentale à cause de... Il a perdu son boulot. On passe par tous les moyens pour acheter les médicaments, les piqûres, mais on n'a pas de... Ça ne va pas toujours. Maintenant, on a décidé de traiter ça spirituellement. Et on est venu ici le 8 juin. Et ça va mieux. It is God who is doing the work by himself. And if some crazy people come like that, I'll ask God, what should I do? And God will tell me and direct me how I'll do with them. Because of the evils of some people, we are dealing with the Bible here, no medicine. And God will inform us that the person should be fasting. They will fast about 7 days, about 5 days, about 3 days. It depends how God has directed us to do. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sometimes some of them healed earlier, but sometimes some of them never healed, and we used to keep them here until God touches them. I can't remember their number, but approximately, I can say that those are healed here through our Lord Jesus Christ is more than 700. Yes, 700. C'est un peu agité. C'est la maladie, c'est tout. C'est la maladie, c'est tout. Ma maladie, c'est ça. La maladie, c'est ça. You see, we were the first person who came here. Before, how people, as you know, we Africans. If you see something from somebody, you have to go and try and do it. So that's why it has made some people to open their camp by themselves. We are here for about 15 good years now. And if we could get some sponsors, this place would be a very big place, but no sponsors. And that was our prayers. Nous avons fait toutes sortes de démarches vers ces responsables de ces centres. Ça n'a rien donné parce qu'ils gagnent l'argent dedans. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour aller dénoncer. Le tribunal, après avoir envoyé des gendarmes, ils nous ont appelés en disant « Oui, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est-à-dire, lorsque vous êtes mentalement malade en Afrique, vous avez perdu tous vos droits. Vous n'êtes plus considéré comme un homme. Chacun est libre de vous traiter comme il veut. Vous avez vu ce garçon qui, dans un centre de prière, enchaîné à un arbre privé d'eau et de nourriture pendant des jours, il y a un enfant qui est venu à côté de lui. Il a bondi sur l'enfant. Il a tordu le cou à l'enfant. L'enfant est mort. Et si les gens ne se pressaient pas, ils mangeaient. Ils mangeaient parce qu'il est réduit pire qu'un animal. Et puis on dort.
une grosse pluie tombe, quelqu'un est enchaîné sous la pluie. Et puis toi, tu rentres dans ta chambre, tu dors. Et avec ça, tu dis, je prie. Avec ça, tu dis, je prie. Il faut lutter contre cette méthode. Et notre seule méthode de lutte maintenant, c'est de créer des centres. Jusqu'au jour où nos autorités vont prendre conscience. Et si réellement il y a un droit de l'homme qui existe, non. Je dis c'est la comédie. Quand j'entends droit de l'homme, je dis c'est la comédie. Combien d'hommes, de femmes qui sont enchaînés dans ce pays aujourd'hui? Toujours, il y avait des gens qui disaient non, maintenant ça va, il faut arrêter. Mais maintenant, Grégoire a toujours continué, il n'a pas écouté personne, c'est un peu ça sa force. Même moi, que j'étais là depuis le commencement, bon, je voyais cet homme qui poussait, qui allait en avant, etc. J'étais moi aussi un peu inquiet parce que les choses augmentaient, les personnes augmentaient. On n'avait pas de rentrée fixe, etc. Lui avait une grande confiance dans la Providence, il continuait. Et bon, et après, il est arrivé où il est arrivé maintenant, avoir tous ces centres, avoir accueilli plus de 15 000 personnes qui sont passées par les centres, qui sont rentrées en famille, tout ça. Les faits parlent plus que les paroles en ce moment. Bonjour Valentin. Bonjour. Ton nom à l'état civil? Ah oui, Jules César. Jules César. Jules César. Et d'où vient le nom Valentin? Et ici c'est où? Comment? Ici où vous êtes présentement, c'est où? Ah non, c'est les choses qui nous a. Grégoire qui nous avait dirigé ici. Ah, vous c'est, nous a dirigé ici. Voilà, c'est lui qui nous. C'est dans quelle ville vous trouvez? On peut aller d'un mois à trois mois et peut récupérer. Si il suit correctement, parce que le problème aussi, il faut le suivre correctement. Comment lui donner les médicaments? Parce que par moment, il peut refuser aussi le traitement. Malheureusement, en Afrique, chez nous, c'est des cas qui arrivent souvent en phase déjà chronique. Parce qu'en phase aiguë, on va d'abord soit consulter un féticheur, un marabout d'abord, ou bien on passe par des camps de prière. Or, déjà un an, deux ans, la maladie est déjà chronique. Faut t'asseoir. Viens, demain, famille. Je vous en supplie. Ouais, calme-toi. T'as parti. On vient de te raser, puis tu t'en vas avec toi. On va. Je vais venir pour rester ici quand même. Laissez-moi partir. Donc, on doit faire un convoi pour partir. Lorsque il était arrivé, je ne voulais pas rester. L'envie me revenait à chaque moment de fuir. Quand tu es nouveau malade, tu as l'impression que les gens veulent te tuer. Tu as cette impression-là. Ou bien tu crois que tout le monde est ton ennemi. Disons que dans le centre, nous n'avons pas que des malades. Nous avons quelques personnes qui ne sont pas malades aussi. Mais la majorité du personnel est composée de malades. Nous avons sentons le besoin de nous préoccuper et nous occuper de lui et faire en sorte qu'il retrouve la santé et puisse retourner en famille après. Je me sentais comme si c'est moi qui gouvernais le monde. Donc, je croyais que c'était moi le Dieu de ce monde-là. Mon personnel, c'est le vrai personnel même d'ailleurs. C'est le vrai personnel. Je suis heureux avec eux. Et ils font bien leur travail. Parfois, il y a quelques malades qui refusent de retourner.
Donc, c'est ceux-là qui constituent aussi le personnel des centres. Hein, donc, c'est eux-mêmes que j'essaye de former pour pouvoir se prendre, pour pouvoir aider leurs frères et sœurs, puisqu'on ne veut pas les aider. Quand j'ai commencé à venir en Europe, ça a suscité aussi plein d'amis en Italie, en France, en Espagne et au Canada, en Suisse. Hein, mais il n'y a pas un groupe où je peux dire fin du mois, ou bien fin de l'année, ou bien tel jour, j'attends de l'argent. C'est toujours la providence. Ça vient au moment où sûrement on a besoin. En Côte d'Ivoire, nous avons un centre à Bondoukou, à Korogo et à Boaké. Nous avons des centres à Boaké, mais on n'a aucune subvention de l'État ivoirienne. Même quand vous faites un projet pour voir les organismes internationaux, lorsqu'il s'agit des malades mentaux, on dit non, on ne travaille pas dans le domaine de la santé mentale. Non, on ne travaille pas dans le domaine... Comme si les malades mentaux n'étaient pas aussi des hommes. Non, mais avant, quand je voyais les malades, je priais pour eux, voilà, j'avais pitié d'eux, je n'ai jamais pensé ça. Puis je n'ai jamais pensé aussi que ça pouvait m'arriver un jour. Ah. J'avais tout pensé sauf ça. Mais un matin, ça arrivait bon. Tu vois tes amis d'école, des gens que tu connaissais, et puis toi, tu es toujours là, malade, t'es divisé. C'est pas facile. Le futur des enfants, il faut dire qu'on essaie de faire ce qu'on peut. On essaie de les inscrire à l'école. On est en train de préparer un centre de réinsertion pour les femmes, où ils auront des ateliers un peu de tout, mais en vivant aussi avec leurs enfants. Il faut dire que les femmes qui ont des enfants, lorsqu'ils sont enchaînés, on leur arrache leurs enfants. Et il y a certaines personnes même qui ne veulent même plus que l'enfant voit sa mère. La Saint-Camille a beaucoup à faire. Quand même vous visitez ces centres, c'est des centres qui ne sont pas adaptés à un service de psychiatrie normal. Vous-même, vous voyez, vous le savez. Voilà. Mais on essaie de faire avec, parce qu'on n'a pas les moyens. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Le centre, les hommes ici, il y a plus de 200 malades. Chez les femmes, il y a plus de 150 malades. Pour un homme de 300 malades, imaginez-vous un peu le coût des médicaments. Monseigneur, Koulibaly Canton. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a plus de 16 000 malades qui prennent des médicaments. C'est le problème de médicaments et nourriture. Ça, c'est le gros problème de la Saint-Camille. C'est le problème de nourriture et médicaments. On entendait partout des pétarades, de fusils, de tout ça. Il y a eu des balles perdues qui ont déchiré la cuisine, la toiture. Ils sont tombés dedans. Mais là, on se demandait si on pouvait vivre. La guerre en Côte d'Ivoire, ça c'est une autre histoire. Le 19 septembre 2002, je me suis levé matin, j'allais à la messe, lorsque les jeunes du quartier m'ont arrêté. Monsieur, ça ne va pas, il y a la guerre, il y a la guerre. Tout le monde était en train de fuir de Boaké. Mais moi, je vais fuir pour aller où? J'ai plus de 700 malades à Boaké. Je vois tout le monde qui couvre tout le temps de Boaké. Tout le monde fuit tout le temps de Boaké. Est-ce que c'est la guerre qui faisait? Non, c'était pas la guerre. Tous ceux qui fuyaient, ce n'est pas parce qu'ils ont tous peur de mourir, mais c'est parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et moi, je voyais, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est la Saint-Camille qui préparait pour la population entière. Ils venaient, ils remplissaient jusqu'à sur la route. Beaucoup de monde, jusqu'à sur la route, là-bas. J'ai fait demi-tour, je vais dans le centre. Ils disent, sortez les riz, distribuez à la population. La responsable du centre dit, mais monsieur, elle est malade. Il dit, non,
ne vous occupez pas, Dieu s'occupera de ces pauvres. Sortez les riz, distribuez à la population. On a pris des groupes, des femmes, des malades, des musulmanes, des chrétiennes, des animistes mélangés, et on a mis dans les différents quartiers. On faisait plus de 100 000 repas par jour. Plus de 100 000 personnes qui venaient tous les jours pour prendre la nourriture. C'est des miracles. Il faut voir des tonnes de riz qui commencent à descendre. Des camions de riz qui quittaient Abidjan maintenant pour venir. Des amis en Europe, l'ambassade de France, l'Espagne, tout le monde, tout le monde. Des camions de riz qui commençaient à venir. Et c'est l'association qui a nourri la population du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Jusqu'au mois de mars. Ça, j'ai été content quand même parce que la population, lorsque la guerre s'est calmée, ils sont venus pour dire merci aux malades. Que hier, nous, on vous a abandonné, rejeté. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on a pu survivre. Pendant moi, je me demande comment ça, pour moi, comment Saint-Camille a pu résister jusqu'à présent. Oui. Ouais, viens prendre, laissez passer. Viens prendre. Si tu es garçon, viens prendre, laissez passer. Ah oui, tu es devenu général maintenant. Ah oui, oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Moi, j'ai 8 étoiles. Ça va? T'es en forme? Je vous remercie beaucoup pour ma fille. J'ai une fille qui est au hôpital chez vous là-bas. Elle a 6 ans. C'est le docteur Albert qui s'occupe d'elle. Oui, je vois. Oh, oui. Mais ça va beaucoup, non? Bon, légèrement. Ça va aller, avec la grâce de Dieu. Elle s'appelle Jamila. Je vois. Oh, oui. Si tu dis à Docteur Albert, Jamila, il va te dire. D'accord. Oh, oui. Allez, bon travail. Oh, oui, merci beaucoup. Oui. Ouais. Jamila, chante pas aussi. Moi, je chante pas. Car il a fait pour moi. Mais tu m'as dit que tu travaillais au tribunal. Oui, j'étais à travailler. Il m'avait des choses de vous, ainsi que ta maison d'être comme un planton, quoi. Planton. Voilà, de mon côté. Mais tu parles le gabou, non? Très bien. Il faut parler, écoutez, parce que moi, je comprends un peu, un peu. Ayane. Aïe. Aïe. Comment on dit bonjour en gagou? Ayane. Et bonne nuit. Ido. Ido. Bon, donc on se situe un peu. Oui. C'est votre frère? Votre petit frère ou bien votre frère? C'est le grand. C'est lui le grand frère. On ne peut même pas s'imaginer ce trou. Et vous, comme ça, je vois, il est assis, tout normal, bien habillé, en train de sourire. Je n'arrive pas à croire encore quoi. Sauf du temps, je verrai vraiment si c'est une réalité ou bien si c'est un film. C'est pas un film, mais c'est une vraie réalité. C'est vraiment votre frère Jules qui est assis à côté de vous. Comme tout bon malade, souvent quand on essaie de le soigner, que ça va plus, bon, les parents se désengagent. Et puis bon. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ainsi qu'il est parti. Bon, tantôt il venait comme ça, toujours malade, et il disparaît. Donc, pour finir même là, on n'a plus envie de le voir. Parce que nous qui nous portons bien, et nous qui sommes toujours malades, et la collaboration et la cohabitation va faire que, bon, d'autres aussi peuvent tomber malades. Donc, sincèrement, on l'a oublié. Là, c'est le mot qui est là. Votre soeur disait que son souhait, elle ne voulait plus le voir dans la maison. Non. Bon, ça c'est un peu trop dit, parce que c'est une maladie humiliante. Quand quelqu'un a la folie, on sait les conséquences. C'est pas la honte. Tout homme tombe malade. Elle a dit que là, on n'achète pas. C'est la volonté de Dieu. Donc pour moi là, est que quand il est là comme ça, les enfants, c'est là la cuisine était. Les enfants s'amusent là. Souvent, il y a Mangué là, ça donne.
Il s'arrête et puis il lance caillou. Les gens qui passent là, souvent ça tombe sur tort des autres là-bas. Elle a une maladie comme ça. Bon, il y a une fille qui passait un jour, même il a pris bois pour lancer derrière la fille, il voulait la blesser. Tout ça, il était agressif. C'est là, vraiment, moi je préfère qu'il ne reste solo. Kétia, tu n'étais pas d'accord avec ta soeur? Non, non, c'était pas d'accord. Hein? Quelqu'un qui a disparu pendant quelques moments. Il faut avoir quand même peur. Parce que Dieu aussi, en ses merveilles qu'il guérit. Vraiment, ça nous étonne quoi. Nous allons retourner et quand tu vas retrouver ta santé, tu pourras venir seul. Mais maintenant, ce que je veux leur demander, de temps en temps, il faut qu'ils viennent te rendre visite. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est que nous, quel que soit ce que nous allons faire, c'est une aide que nous vous apportons. On ne peut jamais vous remplacer. La famille, c'est la famille. Hein? La famille, c'est la famille. Quand on l'a pris, où il nous a conduit directement chez lui, c'est ici directement. Oui. C'est directement. Donc, la famille, c'est nous qui sommes dangereux. Aucun malade mental n'est dangereux. Aucun. C'est nous qui se disons bien portants qui sont dangereux envers les malades mentaux. Eux autres, ils sont malades. Et j'ai dit, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Tous des malades qui vivent ensemble, s'ils étaient dangereux. Non, 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 non. Excusez-moi, aucun malade mental. Et c'est surtout ce mot qui fait qu'on les isole. On a mis dans la tête que les malades mentaux sont dangereux. Mon frère, il est venu me rencontrer, me trouver en Côte d'Ivoire. Et disons qu'il a vu l'œuvre de Grégoire, que c'était au commencement, mais il a été très frappé. Parce que lui aussi, il travaillait dans le domaine de la santé mentale. Dans la région, le Frioul, en Italie, où a travaillé Franco Basaglia, que c'est celui qui a... disons, révolutionner la psychiatrie moderne. Et il était étonné de voir comment Grégoire il faisait les mêmes choses sans connaître Basaglia, sans connaître cette nouvelle psychiatrie, comment on peut l'appeler comme ça. Et il faisait les mêmes choses qu'il cherchait à faire en Italie. C'est-à-dire redonner aux malades une dignité, redonner une maison, redonner un travail, redonner la possibilité de relation avec les autres. Les centres de réinsertion en Côte d'Ivoire, tout a été pillé à cause de la guerre. Sinon, partout où nous avons un centre, il doit toujours avoir un centre de réhabilitation. Parce que sans le travail, un centre de travail, c'est comme la personne, tu le drogues, tu lui donnes médicaments et puis c'est tout. Non. Parce que l'excès de médicaments, c'est comme une chaîne. C'est comme si on enchaînait la personne. Le malade mental a besoin de médicaments, certes, mais ils ont besoin plus que médicaments. Ils ont besoin d'être considérés. Ils ont besoin qu'on puisse leur faire confiance. Il faut qu'on arrive à accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est ce qui nous manque. Lorsque vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas considéré. Il faut travailler d'une manière et à la fin, j'ai dit, on crée des malades mentaux. Hein? Notre société aujourd'hui fabrique la maladie mentale. Et ce sont ces travaux qui nous permettent de découvrir la capacité que le malade peut donner. La multiplication, l'addition, la soustraction et la division. Moi, je fais le commerce. Les savonnettes, la sardine en boîte, les fichards, la pâte dentifrice, la brosse à dents, les chaussures, les rouges à lèvres, les crèmes de beauté. Et tu comme ça. Ici au Bénin.
Je n'ai pas envie d'entrer au Gabon. Sinon, madame va me faire du mal. Et ces malades, lorsque quelqu'un est soigné, qui retourne chez lui à la maison, il ne fait rien, mais pour la famille, il est toujours considéré comme un malade. Mikere, Yankwalelo. J'ai un vieux gant. Ah, Janvier, il a une grande histoire. Janvier, il était malade. Il est resté dans les chaînes pendant 7 ans, couché nu dans la maison. Il y a un cadenas qui était ici. Et la chaîne, on a percé le mur pour aller l'accrocher à un arbre dans la cour. Voilà comment Janvier, je l'ai trouvé. 7 ans, pendant 7 ans. Il n'attendait que la mort. Je n'ai jamais vu un animal traité de cette manière. Bon, maintenant, il est marié. Ça lui fait 4 enfants maintenant. On lui a payé une machine où il passe dans les maisons pour pouvoir aider les gens pour la préparation de l'huile. Ça lui permet de participer non seulement d'aider sa famille, ses enfants, mais de participer au développement local du village. Le travail que les gens faisaient au moins pendant toute une journée, en 1 heure de temps, il a fini avec la machine. Parce qu'avant, c'était manuel. Je leur dis de faire comme moi, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras, de croire toujours en leur chance. Et s'ils peuvent toujours faire quelque chose, qu'ils le fassent. Non seulement on m'a enchaîné, on ne me donnait pas à manger, je ne buvais pas. J'ai un devoir. Étant malade et qu'on m'a aidé à me retrouver, moi aussi me dois de les aider. C'est-à-dire aider les malades à se retrouver. Ça, tu veux. Karim, on voit une batterie jeter son 10 en paix. Voilà. Tu vois. Parce que cette maladie, on ne peut jamais la traiter sans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de guérison. Un mot de garantie. L'amour d'abord, avant le médicament. Parce que le malade qui prend le médicament, s'il n'aime pas le médicament, il ne peut pas le prendre. Il faut qu'il ait l'amour de son devoir, à prendre son comprimé chaque jour, à prendre son médicament chaque soir, à faire son injection chaque mois. Tant qu'il n'y a pas l'amour dans ce service, il n'y a pas de guérison totale. Il n'y a personne avec qui il faut discuter, la personne avec qui il faut parler, la personne avec qui il faut voir les choses. Tu es seul, ça ne t'arrange pas. Dieu nous a donné une brave petite fille, je ne m'attendais pas. Parce que moi, je me suis dit, vu ce que j'ai perdu dans la maladie, vu ce que j'ai fait comme mécontentement dans ma vie, est-ce que Dieu pourra me pardonner pour que j'aie au moins un jour la joie de voir quelqu'un qui vient de moi? Le résultat est là. On a vaincu la maladie. La maladie n'a plus de secret pour nous. C'est ça. Ah, vous n'avez pas dit que ça ne pouvait pas pousser ici les grains qui sont venus d'Europe. Hein? Ça a poussé maintenant, non? Mais ils t'ont montré comment ça a fait. Ici, on est dans le centre de formation professionnelle. Alors ici, on a déjà fait 20 hectares de palmiers. C'est le futur de la Saint-Camille. C'est-à-dire, si vous voulez, ce serait demain le centre pilote. C'est ça qui va permettre aux malades demain d'avoir les vivres, la nourriture dans tout, dans les centres du Bénin. Où sont les toilettes? Et puis les médicaments, ça, mon idée, c'est que la production arrive à fournir les médicaments dans tous les centres, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, partout où Saint-Camille va être implanté. Mon souhait, c'est qu'on ait
la possibilité d'avoir une rentabilité qui va nous permettre de trouver des médicaments pour tous ces différents centres, pour tous ces malades aussi qui sont en famille. Cela fait environ 2 semaines qu'on a fait ce forage et ils sont tombés sur un gisement d'eau qui fait plus de 48 mètres cubes par jour. Mon souhait, nous allons essayer d'analyser. Et si ça pouvait faire de l'eau minérale, moi j'aurais aimé faire des mises en bouteille. Pourquoi pas? Ça pourrait donner une chance aussi pour les malades. Pour moi c'est un miracle, c'est beau à voir. Hein? Je rêvais ça parce que j'avais déjà vu ça dans la région. Et je rêvais de tomber sur une nappe pareille et puis voilà, on est tombé sur la nappe, la bonne nappe. La vie dans un village, hein, c'est beau. C'est beau, vous allez au champ, vous jouez. J'ai travaillé beaucoup avec mon papa au champ. Il avait beaucoup de terrains, des champs de palmiers et autres. Mais vous savez que tout jeune rêve toujours comment faire pour progresser. Vous voyez des gens qui quittent la ville, qui viennent. Vous avez envie, vous avez le désir d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mon papa avait un ami qui était en Côte d'Ivoire. Et comme moi, j'avais arrêté mes études, mon papa m'a proposé si j'aimerais partir avec le monsieur. Sans même savoir ce que je vais aller faire, j'ai tout de suite opté pour partir. Je rêvais d'aller à l'extérieur. J'ai commencé à apprendre le travail. J'ai appris le métier en 71. J'ai travaillé avec ça jusqu'en 2000. Hein. J'ai fait un an avec mon patron. Et puis après un an, bon, il y a eu des disputes qui sont arrivées. Et puis j'ai préféré le quitter pour aller m'installer. Mais je travaillais, je ne pouvais pas louer une maison. Parce que on dit que le travail que je faisais, j'étais à un endroit où je ne gagnais pas de clients. Mais là, j'ai fait un peu de bandit quand même. J'ai commencé à arrêter les taximètres. Le pneu se collait partout à 100 francs. Moi, j'ai dit, je colle pour moi à 50 francs. Donc voilà comment j'ai commencé à avoir des clients. Et puis, au fur et à mesure, 76, j'ai commencé à faire le taxi. Jusqu'en 78, j'ai fait 4 taxis. En tout cas, tout allait très bien pour moi. C'est à partir du 4e taxi que j'ai commencé à avoir des problèmes. Des problèmes économiques. Et puis après, c'est les véhicules qui vont commencer à faire des accidents. Accident sur accident. Ça m'a totalement ruiné. J'ai été même en prison. Je devais maintenant à tout le monde. Les gens me poursuivaient à la police, à la gendarmerie. Les amis que j'avais, tout le monde m'ont abandonné. Je ne me trouvais plus, je ne sais plus où j'étais. J'ai eu des amis qui m'ont conduit chez des marabouts pour que je puisse faire ceci, mes affaires vont reprendre. Donc j'ai commencé à faire de n'importe quoi. Les difficultés que je vivais m'ont poussé un jour à vouloir me suicider.
à vouloir me suicider parce que je n'en pouvais plus. Je suis rentré, j'ai pris des comprimés. Je suis rentré dans la maison. Je me suis enfermé. Et au moment où j'ai pris l'eau et les comprimés, au moment où j'ai voulu mettre les comprimés dans la bouche, comme un courant est rentré dans mon bras, tout est versé à terre. Et puis, comme j'ai eu l'impression, comme quelqu'un qui me disait, la vie qui est en toi n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit de porter atteinte à ta vie. C'est là que j'ai abandonné. Et je me suis retourné à Dieu. J'allais hors de la ville pour passer toute la journée. Je lis la Bible, je prie, je lis, je prie, je lis, je prie. Jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner à l'église. C'est là que je suis tombé sur un missionnaire. Un prêtre missionnaire, il s'appelle Joseph Pasquier, il vient de mourir il y a quelques mois. Il a pris le temps pour m'écouter, j'ai commencé à lui expliquer mes difficultés, mes problèmes, comment j'ai abandonné l'église depuis, comment je veux retourner à l'église. Et le prêtre, il organisait un pèlerinage à Jérusalem. Au même année, il dit, écoute Grégoire, j'organise, il y a un pèlerinage à Jérusalem, il dit, je veux partir. Pour manger, j'avais déjà des difficultés. Tu vois, pour moi, c'est un miracle de Dieu. Mes activités, mon travail de pneu a repris d'une manière miraculeuse. C'est comme ça, le 5 novembre 82, je me suis retrouvé parmi les pèlerins pour aller à Jérusalem. Pasteur, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et ta santé? Oui, ça se sent très bien. Tu sais, la dernière fois, je suis parti avec un cœur meurtri. Oui, c'est ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut utiliser le nom de Dieu pour enchaîner, alors que Jésus-Christ est venu pour déchaîner. Oui. Jésus est venu pour déchaîner et non pas pour enchaîner. Je crois en Dieu, je crois à la prière. Mais la prière ne demande pas, regarde celui qui est assis, celui que vous avez fait coucher là, en disant que c'est les sorciers. S'il meurt là, si quelqu'un s'élève pour aller dénoncer, tu vas perdre ta vie dans la prison. Tu vas perdre ta vie dans la prison. Moi-même. Il ne faut jamais accepter ça. Oui, toi-même. Toi-même. Parce que le droit de l'homme ne peut pas entendre ça. La parole de Dieu ne permet jamais d'enchaîner. Non, excuse-moi. Quel que soit ce que la personne a, nous n'avons pas le droit. Excuse-moi. Il faut arrêter ça. Bon, quelqu'un ne peut pas faire le sorcellerie. La sorcellerie. Mmh. En tant que croyant, quand je crois en Dieu, il n'y a pas de sorcier. Mmh. C'est l'homme qui invente la sorcellerie. Sorcier ne peut rien contre moi. Mmh. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. C'est l'homme qui invente la sorcellerie. C'est notre ancien, là. Il n'est pas doré fétiche. Fétiche, c'est fétiche. Le fétiche en elle-même n'est pas un mal. C'est nos ancêtres qui, en voyant la nature, ils savent qu'il y a un Dieu. Mmh. Et ce Dieu, ils ont voulu l'adorer dans l'inconnu, sans le connaître. Oui. Sinon, celui qui adore fétiche, là, il ne fait pas du mal. Où vient maman? La maladie mentale. Il y a un moment où ça se calme. Mais c'est pas que la personne est guérie. C'est pas que la personne est guérie. On sait ça. Non. Nous on prie, on sait bon, ça. Bon, Yvonne, je vais prendre ton garçon parti. Et ton fils aussi. On va le prendre pour le soir. Oui, toi. Tu es d'accord? Oui, moi je ne souffre pas. Mais je vous dis une chose, c'est tu sais, je vais te dire une chose. Hier, quand je t'appelais là, oui. J'ai su que tu n'es pas comme certaines personnes. Oui. Tu n'es pas comme certaines personnes. Il y a certaines personnes qui veulent des rançons. Hier, tu as eu la chance. Ça, je vais te dire. Il faut que je te dise la vérité. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. J'étais avec la police quand je t'appelais. Tu as compris? Tu as entendu? Donc, il ne faut jamais. C'est-à-dire, il n'est pas bon de prendre Jésus, le nom de Jésus, pour maltraiter son frère.
C'est qu'au cours du pèlerinage, le même prêtre un jour disait dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant lui aussi une pierre. Et durant tout le reste du pèlerinage, c'est cette phrase qui venait à moi. Quelle est la pierre que je vais pouvoir poser? Quelle est la pierre que je vais pouvoir poser? Je ne fais rien de moi-même. Ce que je le fais, c'est parce que Dieu l'a voulu. Pour ceux qui croient, ils doivent comprendre. Même celui qui ne croit pas, il faut qu'il comprenne. Moi, je ne connais rien. Je ne suis qu'un pauvre petit réparateur de pneus. Je n'ai pas eu la chance de faire même des études. Vous comprenez? Dire aujourd'hui que cinq amis viennent de moi ne vient pas de moi. Malheureusement, ce que je critique sur moi-même, c'est que je n'arrive pas à suivre le message que je reçois de Dieu. Si j'arrivais réellement à suivre le message que je reçois de Dieu, beaucoup de choses pourraient être faites. J'ai peur. J'ai très peur. Qu'est-ce que ça va devenir? Où je vais? Même quand je me fatigue là, il y a quelqu'un qui me donne la force. Je vis quelque chose, je ne sais pas comment le décrire, qui me dépasse. Ce n'est pas humain. Dieu est amour. Le grand commandement que Jésus a donné, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'homme, qui aiment beaucoup, beaucoup l'homme, qui fait beaucoup du bien aux hommes, mais qui dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui sont tous les jours à l'église. Ils se disent le plus croyant, mais ils n'aiment pas l'homme. Entre les deux, qui tu crois qui aime Dieu? Ne regarde pas l'homme aujourd'hui pour juger Dieu. Il nous a tellement aimés que lui-même, il a voulu venir prendre la place de sa création, de l'homme qu'il a créé. Il est devenu homme pour vivre au milieu de l'homme, pour voir ce que nous sommes
et être ce que nous sommes. Devenir ce que nous sommes. Mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire, toi-même qui as créé quelque chose, tu deviens la chose. Tu deviens comme la chose. Et on l'a traité d'une manière misérable. On l'a fait souffrir, aller le clouer sur la croix. Regarde, ceux-là même qui l'ont cloué sur la croix, qui l'ont pendu sur la croix, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas facile de travailler avec Grégoire. Et il faut le comprendre. Si Grégoire est présent dans un centre, de 6h du matin à 20h, tu es sur pied. Il est exigeant. Toi qui n'aimes pas ce genre de comportement, tu ne peux pas supporter. Moi particulièrement, compte tenu de ma vocation, j'ai essayé de comprendre Grégoire. Et quand j'ai compris que ce n'était pas de sa faute. Tout un fondateur veut que tout soit net. Je sais que je suis très désordonné. Je suis brouillon. Je suis le plus gros pécheur. Je suis le plus gros pécheur. Non, ça c'est vrai, hein? Ça, il faut vous dire la vérité, je suis le plus gros pécheur. Quelqu'un qui fait des choses qui vont hors de la normalité, qui font des choses extrêmement, extrêmement révolutionnaires, à la fin il reste seul. Parce qu'à un certain moment aussi, nous, qui on est plus petit, là, même si on est plus grand de taille, on est plus petit d'esprit, on n'arrive pas à comprendre où il est en train d'aller. Donc on le laisse aller. Nous, on suit un peu à distance, on a toujours peur d'être trop proche, que de ne pas tomber avec lui, on n'a pas cette confiance pleine dans quelqu'un qui fait. Mais c'est le destin de ceux qui vont en avant par rapport aux autres que nous sommes. Il y avait quelque chose qu'on m'avait fait, on dit, et un marabout qui m'avait fait ça, si jamais j'abandonne ça, je vais devenir fou. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas fou, comme on le dit. Je quitte Boaké, je passe comme ça. On a fait tout ce parcours aujourd'hui. Et nous sommes présentement ici. C'était des malades qui étaient bloqués dans le bois. Et il y a quelques mois, nous sommes allés les libérer, envoyer à Boaké, soigner. Maintenant, on veut les réintégrer dans leur village. Le Burkina, c'est le prochain pas de centre. On a présentement un projet au Burkina Faso. Parce que vous comprenez, prendre des malades au Burkina Faso, nous sommes à la frontière. Et déjà, quitter Boaké jusqu'ici, ça fait 400 km. Où ils vont, ça fait encore 400 km. Ça fait 800 km. Il est important que chaque malade soit soigné dans sa localité. Ainsi, la réinsertion est plus facile. L'idée de la Sainte-Camille, c'est essayer d'étendre et de descendre dans toute la sous-région. Parce que, j'ai dit, notre lutte, c'est faire en sorte que la mentalité change envers les malades mentaux. Et les malades mentaux, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le Bénin, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, mais c'est aussi le Togo, c'est la Sierra Leone, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Thank you.
Hein, il n'est plus malade. Et on ne doit plus le regarder comme un malade. Il y a une réunion, il doit participer à la réunion. Et il doit faire son travail. Si c'est au champ, il va, vous devez le laisser aller faire son champ. Hein, c'est-à-dire qu'il retrouve sa place totalement dans la famille. Vous avez quelqu'un ici qui fait les injections. Bon, donc ça, ils font une ampoule tous les 28 du mois. Tu vas écrire ça pour leur remettre. D'accord. Il y a pour 5 mois. Il y a pour 5 mois. Hein, après 5 mois, avant le 5e mois, il faut que tu commences par m'appeler. Et ça, c'est un comprimé tous les matins. Vous avez compris? Mais jamais, tu as entendu. Effectivement, notre méthode d'aujourd'hui, on veut créer un réseau entre toutes les communautés. Hein? Partout où on a des malades, les prêtres, les religieuses, on essaye de les contacter et mettre les médicaments dans tous ces villages pour que chaque malade puisse avoir ses médicaments. Sinon, un malade qui doit payer 5 000 francs de transport pour venir jusqu'à Boaké avant d'avoir ses médicaments. Mais demain, il se retrouve de nouveau dans le bois. Monsieur Grégoire est dedans. Vous voyez, c'est un ami de l'Élysée Junior. Monsieur Grégoire est dedans. Ouais, monsieur Grégoire, on peut attiquer là-bas, va payer le premier, la première chose. Va payer attiquer. Allez, c'est ton rôle. Hein? Tu vois que hein, j'ai pris sur moi la croix du Christ. Hein? Je suis là. Tu vois, tu me vois la maturité. Hein? Je te fais appel. Hein? Ce n'est pas normal. C'est un combat spirituel. Ça va? Oui, ça va. Et madame Kadi? Où est son grand frère? L'amour de Dieu! Mais pourquoi tu ne prends plus tes médicaments? Mais je ne vous ai pas appelé justement pour ça. C'est, mais quand les médicaments suivent, il faut avoir des provisions consistantes comme la ticket. Hein? Des sels, des choses à miner. Hein? Donc je n'ai pas l'argent. Le grand. Allez, ça va. Tais-toi maintenant. Bon, j'arrive, je vais prendre les choses dans la voiture. Vous savez quand même que depuis 4 ans, c'est le moyen qui manque pour quand même lui permettre d'arriver à Boaké. Hein? Ça, il faudrait quand même que tout le village sache que ça ne fait pas honneur pour le village. Ça ne fait pas honneur pour nous. Et chacun doit se sentir responsable. Tout le village, ce ne serait que donner au moins 50-50. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ce n'est pas l'affaire d'une famille. Mais c'est l'affaire de tout le village.
Aujourd'hui, tu es content? Tu n'es pas content? En Afrique, les malades mentaux représentent une honte pour les familles, une honte pour la société, une honte pour le pouvoir public. Ça devait être une honte pour l'humanité. Quand je vais trouver un homme bloqué dans le bois, c'est l'image de ma propre personne et c'est l'image de l'humanité. Quand je vois une femme nue dans les rues, une femme bloquée dans le bois, c'est l'image de ma propre mère et c'est l'image de toutes les femmes du monde. C'est toutes les femmes du monde qu'elle représente. Papa, je ne peux pas manger un seulement pour que ça me reste assis. Tu me donnes trois. Mais il faut finir quand tu déposes à côté. Voilà. Ma, blade. Blade. C'est pour le bois. Blade. Ah, mon ma. Ma. Si un pauvre comme moi, qui ne connaît rien, qui est nul, nul en tout, arriver à se tourner vers ces malades qui sont oubliés de tous les intellectuels du monde, de tous les savants du monde. Dieu a voulu qu'un minable comme moi lance cette activité pareille. C'est pour nous permettre tous d'ouvrir les yeux. C'est pour nous permettre à l'humanité d'ouvrir les yeux. Il y a des hommes, des femmes qui sont oubliés. Et Dieu nous interpelle. Dieu vous interpelle tous. Et c'est pourquoi moi j'interpelle l'Organisation Mondiale de la Santé. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle important à jouer dans le domaine de la santé mentale. Bon, moi, j'ai, dans mon cœur, quand je vois les malades, je dis, je prie toujours Dieu en disant qu'après Grégoire, il puisse susciter quelqu'un qui peut faire la même chose. Et moi, j'ai prié afin que cette œuvre qui a commencé à Côte d'Ivoire, Bénin, puisse répandre dans tous les pays. Sinon, les malades souffrent. Et les parents souffrent, les parents des malades. Ce n'est pas facile. Mais c'est Grégoire qui fait tout. Parce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut faire la même chose sans la volonté de Dieu. Si moi-même j'ai un mois de manger à Tiki, hein, je peux prendre la force, visser l'aliment et puis aider la Seigneur. Voilà, donc je vais penser.